Ok, c'est parti. Dans cette vidéo, on va voir quelle est la meilleure pizza surgelée. J'ai fait une sélection qui a l'air juste incroyable. J'ai essayé de prendre le maximum de marques possibles. On va comparer le goût, on va comparer les textures, on va comparer la qualité du fromage, la qualité des protéines. Certaines ont du poulet, d'autres du bœuf, d'autres du jambon. On va tout comparer. Et évidemment, je vous donnerai mon avis. Après, évidemment, vous pouvez aussi donner votre avis en commentaire. L'espace commentaire, il est pour vous, c'est votre espace, donc profitez-en. Et en plus, ça me soutient à fond pour être honnête. Donc voilà, n'hésitez pas. Bref, je vous présente les pizzas que j'ai choisies pour cette vidéo. C'est parti. Alors dans cette vidéo, il y aura donc la crosti moelleuse extrême de chez Marie, la pizza royale restaurantée de chez Dr Oetker, je sais pas si j'ai bien prononcé, la pizza della mamma de Mr V avec la royale puletto, la manosque 3 fromages, on va revenir sur le prix parce que là c'est important. J'ai une pizza de chez Picard qui a l'air incroyable, bœuf, merguez et sauce salsa, c'est la numéro 9. J'ai aussi celle-ci, c'est la crosta molica, franchement elles sont incroyables ces pizzas. Si vous habitez à Paris, vous allez faire vos courses chez Monoprix, je pense que vous connaissez, mais quoi qu'elles sont aussi chez Auchan ou chez Carrefour. Donc, et pour finir, la pizza Totally Spice de chez Maison Tirée, je vois qu'il y a des oignons rouges et tout, des merguez, ça me donne trop faim. Il y a beaucoup de pizzas mais la dégustation va aller assez vite. L'idée de base c'était vraiment de prendre que des pizzas du même type, c'est-à-dire soit pizza royale, soit pizza 4 fromages. Mais malheureusement il y a beaucoup de pizzas et c'était difficile en fait de trouver des pizzas similaires dans toutes les marques. Donc je me suis dit que j'allais prendre des pizzas un peu originales. En tout cas ce qui est sûr c'est que sur chaque pizza, majoritairement il y a de la protéine, on va pouvoir comparer la qualité des aliments sans aucun problème. C'est parti pour la dégustation. Je commence par la crosti moelleuse extrême de chez Marie, elle est juste ici. Je l'ai peut-être fait un peu trop cuire, en tout cas elle sent super bon. Il y a du bœuf, du cheddar et des cornichons. Effectivement, on sent beaucoup les cornichons. Et il y a de la sauce burger. Au niveau du prix, elle coûte 5,19€. On est sur un Nutri-Score B. Et petite parenthèse, je vous donne des prix, mais je vous donne des prix parisiens. Si vous habitez dans le sud de la France, ce sera peut-être certainement moins cher. Au niveau de la pâte, elle est quand même très très épaisse. Je goûte. Oh, je suis tombée sur un cornichon. Ça passe très très bien. Alors, en général, je suis vraiment sur des pizzas beaucoup plus classiques, on va dire. Et là, je suis mais agréablement surprise. Mais je trouve que les ingrédients ne se distinguent pas trop entre eux. Le goût de la viande n'est pas très marqué. Le fromage n'est pas hyper marqué. Le cornichon, on le sent un petit peu plus parce que je pense qu'il est vinaigré. La sauce est pas mal. Pour moi, les saveurs, elles se distinguent pas assez. Mais clairement, c'est très très bon. Le fromage est bon. Globalement, je vais dire quelque chose, mais c'est pas surprenant. C'est peut-être un peu trop salé. On est sur du surgelé, donc c'est normal. Mais il y a des surgelés qui sont pas non plus hyper salés. Donc ça, c'est un point à garder. La pâte est bonne. On est un peu sur une pâte à pain. Je rappelle après que le nom de la pizza c'est crosti moelleuse extrême. La pâte effectivement elle est assez croustillante, l'intérieur est assez moelleux, pas forcément extrême, mais ça peut dépendre aussi de la cuisson. On va voir, peut-être que les autres elles seront un petit peu plus crosti moelleuse extrême. Je la mets de côté et je vais chercher la prochaine. C'est parti, je vais tester la Picard. La Picard elle donne trop envie. Bœuf merguez salsa, Nutri-Score B. Du coup je l'ai fait cuire, l'odeur est dingue. Là on est sur une pizza assez épicée. La pâte est également très épaisse, plus épaisse que la première. Bah regardez, ouais légèrement plus épaisse. Si la Picard croustille plus que la Marie, je vous dis ça craint. Cette pizza coûte 4,99€. Elle fait 430 grammes. La première était un petit peu plus chère, donc 5,19€, et elle pesait 530 grammes par contre. C'est parti, je goûte. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a énormément de choses à dire sur cette pizza. Contrairement à la première, la pâte n'est pas aussi croustillante et aussi moelleuse. Sur la première pizza, donc la Marie, on avait vraiment l'impression que les ingrédients ne se différenciaient pas entre eux. Là, pour le coup, si. Il y a quelque chose d'assez caramélisé, je sais pas si c'est les oignons ou les poivrons. On a cette sensation, en fait, de garniture très fraîche. Les ingrédients sont frais, genre la pizza, elle a été faite. Dans la minute, elle a été surgelée. Je sais qu'au niveau des fruits surgelés, il les cueille, il les lave et il les congèle. Je crois que c'est dans l'heure ou dans les 2 heures. Les fruits surgelés Picard sont hyper qualitatifs. Et là, on a cette sensation de fraîcheur. Dans la pizza de chez Marie, on n'avait pas forcément cette sensation. On sentait que les ingrédients étaient bons, mais c'était pas aussi évident que celle-ci. C'est là où on voit quand même que Picard, c'est un spécialiste du surgelé et que ça fait la différence. Du moins pour l'instant. On peut avoir des belles surprises. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'ai une pizza fraîche, Sodebo, que je vais comparer aux autres. Elle va être vraiment hors compétition. C'est juste pour avoir vraiment le goût des aliments un petit peu plus frais et voir quelle pizza se rapproche d'une pizza fraîche comme ça, non surgelée. Je voulais pas prendre non plus une pizza de pizzeria parce que c'était pas équitable, mais voilà, je voulais voir qu'en termes de qualité, quelle serait la pizza la plus proche d'une pizza fraîche, qui voudrait dire que c'est une pizza certainement de qualité. Voilà, c'est tout. Fin de la parenthèse. Et donc du coup, bah, je sais plus ce que je disais. Ouais, celle-là a vraiment un très 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 bon niveau. On est quand même sur une pizza qui a de la merguez, donc c'est très salé, fromage, des épices, mais elle est moins salée que la première. Pour moi, c'est vraiment un point positif parce que le sel, clairement, c'est pas le top. On passe à la suivante. Avant de passer à la pizza de Mr V, on va passer à la crosta moelleuse. Oula, crosta moelleuse, pardon. Crosta et moelleuse. Je vais y arriver. Donc c'est une pizza au pancetta, mascarpone et champignons, et elle coûte, accrochez-vous,
Un SMIC. Elle coûte 7,85€. C'est une pizza qui est fabriquée en Italie. Non mais regardez-moi ça. Pour moi, là, on est vraiment sur la pizza surgelée haut de gamme. Et je pèse mes mots. Elle a une pâte qui est bien gonflée à ce niveau-là, comme vous le voyez, et elle est bien fine. Là, en main comme ça, quand je la tiens, ça me rappelle vraiment une pizza achetée à la pizzeria, faite dans une pizzeria italienne. En plus, les ingrédients ont l'air incroyables. Moi, je n'ai que des éloges à faire sur cette marque de pizza, vraiment. Quoi dire d'autre ? Elle a été cuite au feu de bois, et ça, pour moi, c'est vraiment un plus. Et elle a eu une fermentation lente. Et visiblement, tout ça a un prix. Au niveau des ingrédients, c'est assez généreux. Elle a une base crème, et je goûte. Ah non, c'est trop. Bon, c'est hyper salé parce qu'il y a la charcuterie. La pâte est incroyable. Le goût est dingue. Évidemment, au niveau des pâtes, au niveau des saveurs, c'est pas comparable aux autres. Mais comme j'ai dit au début, on va plutôt comparer la qualité des produits. Tout à l'heure, ils proposaient une pâte épaisse. Il y en a une qui était meilleure que l'autre. Là, on est sur une pâte fine. Mais on sent quand même que même si c'est pas une pâte moelleuse, on sent qu'elle est beaucoup plus qualitative que les autres. Il n'y a pas forcément de sécheresse au niveau de la pâte. Il n'y a pas de fausses notes. Tout est assez harmonieux. Elle est assez salée parce que, évidemment, c'est du surgelé et à la pancetta. La pâte en elle-même est quand même un petit peu salée. De base, une pâte comme ça, c'est un peu salé. Pas autant que ça, mais franchement, ça passe bien. Dites-moi si vous connaissez cette marque. Franchement, je vais pas trop en dire pour l'instant, malgré le fait que ça soit pas la même proposition que les deux pizzas précédentes. Il faut quand même se dire qu'il y a beaucoup plus de travail, beaucoup plus de qualité. Après, est-ce que globalement, elle est beaucoup plus appréciable que les autres? Ça, je vous le dirai à la fin. Bref, je passe à la prochaine. C'est parti, on passe... Ah, je me suis mis le truc dans l'œil. On passe à la Royal Puletto de Mr. V. Elle coûte 4,44€. J'ai oublié de donner le poids de celle d'avant. Celle d'avant pesait 444 grammes. Donc voilà, 478 grammes. J'ai déjà goûté cette pizza il y a déjà quelques temps. C'était quand elle est sortie, il y a 2 ans, je crois. Et j'en garde un très très bon souvenir. Regardez, elle est juste ici. Déjà, rien que l'odeur, ça me donne l'eau à la bouche. Alors, petite parenthèse. Je tiens à le préciser parce que quand on teste des produits venant d'influenceurs, de youtubeurs, on est quand même soupçonné de mentir. Je pense qu'on émet quand même pas mal de doutes sur les youtubeurs qui testent, ou les tiktokers, ou peu importe. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent qu'on cherche certainement à se mettre les influenceurs ou les youtubeurs dans la poche parce que la plupart du temps c'est des youtubeurs qui ont réussi, c'est des gros youtubeurs et que ça peut nous apporter quelque chose. Alors je crois vraiment que vous vous rendez pas compte de la réalité des choses, vraiment. En tout cas moi je parle pour moi parce que je peux pas parler pour les autres. Là je parle uniquement de moi. Moi dans mon cas, peu importe quelle marque j'ai testé sur ma chaîne, il y a toujours eu du positif et du négatif, et quand il y a eu du négatif, j'ai dit les choses comme elles étaient, j'ai toujours été très honnête et je pense que ça n'a pas plu dans certains cas. Et même si je suis pas une personne extrêmement soupçonnée de mentir par rapport à ça, sachez une chose, c'est que je sais que vous avez des influenceurs aussi qui sont devant leur écran et qui peuvent se dire, bah tiens, cette personne elle dit du bien, elle cherche à avoir un partenariat, elle cherche à avoir quelque chose. En fait, ça vous valorise pas de dire du bien en fait. Malheureusement, il y a des gens qui soupçonnent un petit peu le mal de partout. Voilà, donc la réalité des choses, c'est que vous pouvez passer pour un gros lèche machin aux yeux de la personne qui crée des choses. Évidemment, il ne s'agit pas de Mr. V dans ce cas-là, mais voilà, fond de parenthèse, mais bon, je pense que personne pouvait se douter que les créateurs de contenu qui créent des choses pouvaient avoir des jugements durs avec les créateurs de contenu qui testent leur truc et qui apprécient leurs choses. C'est une réalité. Donc juste ici, j'ai la pizza de Mr. V que j'aime beaucoup. Je vais la regoûter. Donc vous avez une pâte qui est assez épaisse, elle est pas aussi épaisse que les autres. Vous avez le poulet, c'est des gros morceaux de poulet, vous avez des champignons, vous avez de la sauce verte. La sauce verte, je pensais que c'était du pesto, mais pas du tout. C'est une sauce à base de basilic apparemment. Je goûte. Oh mais elle est trop bonne. Franchement, elle est trop bonne. Après, si je dois faire une critique, je trouve que la pâte, elle manque un petit peu de croustillant. Il y a tout qui se marie très très bien. Elle est très simple et efficace en fait. Elle est un petit peu molle un peu en dessous, mais c'est peut-être moi qui l'ai mal cuite. Après, je l'ai cuite à la air fryer, donc c'est peut-être pas optimal non plus en termes de cuisson. La sauce verte, elle vient vraiment rajouter quelque chose. Elle est bonne. Après, en fin de vidéo, j'aurai une comparaison un peu plus précise avec les deux autres premières. Bref, je passe à la suivante. Enfin, on me demande tout le temps si, vous le savez, mon pseudo c'est Vanessa V, et on me demande souvent si c'est un rapport avec Mr. V. Alors sachez que pas du tout. Normalement, je voulais juste mettre Vanessa sur YouTube, mais pour le référencement, il fallait que je mette une lettre après. Tout était pris. Et du coup, j'ai mis V, la première lettre de mon prénom, c'est passé et du coup j'ai laissé, et en plus je connaissais pas du tout Mr. V, donc non, ça a vraiment aucun rapport. Jour où j'ai assez d'abonnés pour retirer le V, franchement je le retire direct. Bon bref, on passe à la suivante. Je passe à la Totally Spice de la Maison Thierry. Première fois de ma vie que je vais goûter une pizza Maison Thierry. Première fois de ma vie que je vais goûter un surgelé Maison Thierry. Thierry, pardon, je sais même pas le dire. Cette pizza coûte 6,99€, c'est quand même 2€ plus cher que Picard. J'espère que le niveau est encore plus élevé que celui de Picard du coup. Pour l'instant je suis team Picard, je suis comme ça, moi quand je soutiens à fond. Non mais plus sérieusement, on va voir si c'est bon. En tout cas, ça a l'air très très bon. La voici. J'ai l'impression que toutes mes pizzas se ressemblent depuis le début. Enfin, du moins, toutes celles qui ont la pâte épaisse. Celle-ci est au poulet, au merguez et au paprika. Donc voilà, on est sur quelque chose de spicy, comme c'est écrit. Il y a des petits oignons rouges. Ça, je valide totalement, sans avoir goûté. Je vous assure que je trouve ça extrêmement troublant à quel point elle ressemble à la Marie. Vous savez, la pizza burger. Non, mais regardez, là, c'est la pizza Marie et là, c'est la tirée. Après, bon, sur celle-là, il y a quand même des merguez, donc c'est ce qui fait la différence. La pâte est aussi plus fine. Il y a plus de garniture. Je goûte.
Je suis pas du tout fan, c'est pas mes saveurs. Je sens que la viande est bonne, je sens que la garniture est de qualité. On n'est pas sur les mêmes saveurs que Picard, mais Picard ça reste aussi une pizza un peu spicy. Et moi je trouve personnellement qu'il y a un monde entre celle-là et celle de Picard. Attention, au niveau de la maison tirée, c'est comme Picard, il y a plusieurs, on va dire, collections. Celle-ci c'est peut-être pas la meilleure, il faudrait que je reteste. En tout cas, si je dois comparer les deux, là, il y a pas match. Hein. La Picard est bien au-dessus. Elle est aussi très très salée, 0,95 g pour 100 g. Il y avait 1 g dans la Picard, donc logiquement elle est un petit peu moins salée, mais en goût je ressens plus le sel. Ça peut venir aussi du fait qu'il y a une sauce sucrée qui a Je pense que la sauce salsa de chez Picard est un petit peu sucrée. Et là, du coup, il n'y a pas du tout de sauce sucrée. Il n'y a pas du tout d'oignon caramélisé ou autre. Donc du coup, on ressent plus le sel. Franchement, je vais pas la regoûter parce que c'est vraiment pas mon truc. Et je vous dirai à la fin vraiment ce que j'en pense. On passe à la prochaine. On passe à la pizza Ristorante de chez Dr. Oetker. C'est donc une pizza royale. Elle est juste ici. Et je suis désolée parce que je sais qu'il y a une vraie team Ristorante. Mais au secours. J'ai eu ma phase Ristorante où je ne pouvais manger que ça. C'était il y a bien longtemps. Je vois quand même qu'au niveau de la garniture, c'est quand même bien généreux en jambon. C'est généreux en tout, la pâte est extra fine. Ça fait une dizaine d'années que j'ai plus goûté cette pizza, je vous le cache pas. On va voir si le coup de cœur revient. Ouais. C'est plus pour moi. Le jambon est super bon, ça a beaucoup de goût. Le fromage est pas mal, tout est pas mal, vraiment. De dire que c'est de la mauvaise qualité, ce serait vous mentir. Je trouve qu'en termes de garniture, c'est un des meilleurs jambons que j'ai goûté sur une pizza royale. Surgelé, je vous précise. Pourquoi je me mets pas au centre? J'ai envie de prendre le jambon et de le manger comme ça. Je suis pas fan de la pâte, franchement la garniture est très bonne. Après, je suis clairement pas fan du goût. Elle coûte 3,79€, j'ai oublié de vous dire le prix, et elle pèse 350 grammes. C'est dans les prix. Après, elle est pas très nourrissante. Hein. Moi, personnellement, je peux la manger une et ça me suffit. Mais vous donnez ça à un mec qui fait 1m80, il peut pas. Hein. Pas assez. Bref, c'est goûté, je sais ce que j'en pense, je vous dirai ça après. Ok, c'est parti, maintenant on va chez moi, dans le sud de la France. Cette pizza coûte très cher, mais si elle est bonne, pourquoi pas. Celle-ci coûte 9,37€. Alors attendez, faut que je vous montre. C'est une pizza label rouge aussi, certifiée par Certipac. Pâte au levain, fromage de garniture sélectionné pour leur affinage traditionnel et leur goût. Cuisson au feu de bois de hêtre et de chêne. Ça, j'aime beaucoup. Et je trouve cette pizza, ma foi, plutôt très belle. Bon, elle a pas une forme incroyable, hein, mais elle est belle. Regardez, là, vous voyez un peu plus de près. Regardez-moi ce fromage. Incroyable. Là, on voit bien que la croûte a été cuite au feu de bois. Oh, j'adore cette odeur. Il y a quoi comme fromage dedans? Alors, il y a de l'emmental label rouge, de la raclette label rouge et du comté appellation d'origine contrôlée. Je me disais que ça sentait bien la raclette, ce qui me va parfaitement. Et point positif, il y a des olives dessus. On a vraiment l'impression que c'est une pizza qui a été faite maison, qui a été balancée dans le four. Ouais, un truc de fou. Oh là là, c'est tellement bon. Il y a l'olive. L'olive, j'adore. C'est comme les cornichons dans les burgers. Franchement, je vais pas la terminer parce que là, les pizzas, j'en ai jusque là. Je vous dis la vérité. Je ne veux plus entendre parler de pizza jusqu'en 2034 à peu près. Elle est vraiment incroyable de chez Incroyable. Vous voyez, la pâte est très très fine. Franchement, cette marque de pizza, je vous le dis, elle est vraiment incroyable. Je dis pas qu'elle est meilleure que les autres. Attention, c'est peut-être pas elle la meilleure. Non, non, mais vraiment, celle-là, si vous connaissez, dites-le moi. Je sais qu'elle coûte très très cher, mais elle coûte pas très cher pour rien. Bref, je passe à la dernière. C'est parti, je passe à la Sodebo maintenant. C'est une pizza fraîche, donc elle est hors compétition. Vraiment juste pour comparer un petit peu avec les pizza surgelée, il faut savoir qu'une pizza fraîche normalement elle est de qualité, c'est quand même un petit peu supérieur, mais je pense qu'il y a des pizzas aujourd'hui surgelées qui sont tellement bien faites qu'elles peuvent être l'équivalent, et c'est surtout que c'est beaucoup plus cher en général ce type de pizza, donc si on peut en prendre une surgelée moins chère c'est mieux. Donc celle-ci elle pèse 400 grammes et elle coûte 4,67€, les autres coûtent environ 5€ en moyenne hein. Du coup je me suis fait une toute petite part. Alors c'est une pizza pâte fine, mozzarella, chiffonnette de jambon, et elle a une pâte fine et croustillante. C'est vraiment pas le type de pizza que je prends habituellement, mais pourquoi pas, je goûte. Non, effectivement c'est pas la même qualité, c'est autre chose, le jambon est super bon. La pâte elle est pas non plus exceptionnelle, mais elle est quand même fine et croustillante comme ils le disent. Le jambon, la sauce tomate, le fromage ont un peu plus de goût que les autres. Après on n'est pas non plus sur une qualité extrêmement supérieure. Hein. Mais oui, mais on sent la différence. Je m'étais dit qu'il y avait moyen qu'une des pizzas que j'ai goûtées fasse le poids. Il y en a une qui arrive presque à ce type de fraîcheur, je vous dirai c'est laquelle après, mais non, c'est autre chose. Là on est sur une autre catégorie, on peut vraiment pas comparer. Je pense que c'était prévisible, mais bon, j'ai quand même voulu tenter. Donc celle-ci au final c'est la numéro 1 devant tout un. Mais non, on va la mettre hors compétition. Bref, je passe au classement. C'est parti pour le top 3 pour moi dans cette catégorie de pizza surgelée. Il y a deux sous-catégories. Il y a les pâtes fines et les pâtes épaisses. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, on va faire un classement global. Dans un premier temps, je vais faire un classement des pizzas pâtes épaisses parce qu'elles méritent leur classement. Numéro 3 des pâtes épaisses, la croustille moelleux extrême. Goût burger. Jamais de ma vie, je me serais dit que j'aimerais une pizza comme ça. Elle est un petit peu chère. 5,19€. Effectivement, elle est un petit peu chère, mais pas plus chère que les autres. Elle s'aligne avec le reste. Elle pèse 530 grammes, donc elle est assez costaud. C'est pas une pizza qui est
extraordinaire non plus, mais elle passe bien, elle est bonne. J'aime beaucoup le goût des cornichons, donc je lui mets un bon 7 sur 10. Ensuite, je mets la Royal Puletto de Mr. V. Elle est bonne, elle est très bonne. J'aime bien la composition de la pizza. Le poulet est bon, donc je mets un 8 sur 10 pour celle-ci. Et pour moi, la numéro 1 des pizzas pâte épaisse, ça reste la Picard. Pour moi, le point fort de la Picard, c'est qu'elle a vraiment ce côté frais. Il y a cette impression que c'est pas une pizza surgelée. La viande est bonne, la sauce est un petit peu sucrée. Je trouve que les aliments se différencient bien les uns des autres. C'est pas comme si vous mangez juste un bloc. Enfin, c'est une pizza, c'est pas un tacos, quoi. Et malheureusement, on n'a pas cette sensation sur toutes les pizzas. Et c'est ce qui manquait un petit peu à la Marie que j'ai mis en numéro 3. Celle-ci fait vraiment bien le taf. C'est un 9 sur 10. Et c'est parti pour mon classement définitif. En numéro 3, je mettrai la Picard. Comme je vous l'ai dit, les aliments semblent frais, les ingrédients semblent de qualité, la composition est top. Elle coûte pas non plus hyper cher, elle est vraiment qualitative pour une pizza surgelée. Elle sort du lot. En top 2, je mettrai celle-ci. J'aime beaucoup la composition, la pâte est incroyable. On n'a jamais vu de pâte comme ça en pizza surgelée. C'est pas non plus révolutionnaire, hein, mais je trouve que c'est plutôt bien de proposer ça. Et franchement, ça fait toujours plaisir de manger cette marque. Après, elle coûte très cher, elle coûte 7 euros et quelques. Ce que j'aime, c'est vraiment ce côté pizza qui sort de la pizzeria, quoi. Top 1, la Manosque. Cette marque est juste incroyable. Ok, c'est super cher, ça coûte 9 euros et quelques, mais on a des produits incroyables. On a l'impression que c'est vraiment une pizza fait maison. On a vraiment ce goût du feu de bois. C'est très léger, mais c'est pas rien. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en tout cas. Chose qui manquait peut-être à celle-ci. Et moi, personnellement, je préfère mettre un peu plus dans une pizza et me faire plaisir plutôt que acheter des pizzas, on va dire, bas de gamme entre guillemets. Pour moi, là, c'est la Rolls-Royce des pizzas. Elle vient du sud de la France en plus. Oh, non, vraiment, je fais pas de favoritisme. Vraiment. C'est qu'elle est très très bonne et je sais que c'est une marque qui est assez appréciée. À voir laquelle vous préférez. Celle-ci, c'est un 8,5 sur 10 et celle-ci, c'est un 9,5 sur 10. Et voilà, fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!